Oui, on va prendre quelques questions, si le public a quelques questions à poser. Nous remercions les organisateurs de ce café de littéraire, c'est très, très intéressant. Nous remercions aussi les intervenants, donc le public. Donc, permettez-moi aussi de remercier mon professeur, M. Pafarissey. Donc, M. Ndiaye disait à l'entame de ses propos, donc, si on n'a pas la chance de faire le département histoire, donc on n'aura pas le temps de mieux connaître Cheikh Anta Diop. Donc, je dis que c'est vrai, parce que dans tout le programme que nous avons eu à faire, donc, il y a peu de classes où on parle de Cheikh Anta Diop. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, avec l'œuvre de Cheikh Anta Diop, on devait enseigner ça dans tous les départements. Donc, on ne devait pas seulement se limiter à ça au niveau des départements de l'histoire, mais on pouvait écrire ça même au niveau de l'élémentaire, secondaire et moyen secondaire. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est ça, aller vers ça pour connaître exactement qui est Cheikh Anta Diop, parce qu'il a écrit beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses pour l'Afrique et pour les particuliers, pour les Noirs. Donc, ce que j'avais à contribuer, merci beaucoup. Exact. Aujourd'hui, quelle est la stratégie à mettre en place? Est-ce que ce n'est pas le manque de volonté politique? Il faut un peu secouer les États pour agir. Allez, ouais. J'ai vu tout de suite sur la présentation que c'est un homme politique. Peut-être lui, il va aborder la question politique. Mais ce qui est sûr et évident, c'est qu'il y a effectivement ce manque de volonté politique. Nous, quand on célébrait le 30e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta à Tietou, en tout cas, le ministre Morgom avait dit que le président Macky Sall a pris la décision d'introduire les œuvres de Cheikh Anta dans les programmes scolaires à partir de 2018. Ah oui, c'était en 2016. Il avait aussi promis de bitumer la route qui mène de Bambéi jusqu'à Tietou. Une route que nous fréquentons il y a plus de 30 ans, parce que ça fait plus de 30 ans, nous faisons le pèlerinage. Voilà les deux engagements. Pour le premier, alors, après la déclaration du ministre, le débat a été suscité et je crois qu'il y a un l'hygiène en histoire et géographie qui a publié un article pour dire que les œuvres de Cheikh Anta sont déjà dans le programme. Oui. Position à laquelle je ne suis pas d'accord, parce que je pratique le programme il y a plus de 20 ans et je sais qu'en classe de seconde, il y a deux leçons, la problématique de l'histoire africaine et l'Afrique berceau de l'humanité, à travers lesquels on peut évoquer Cheikh Anta. Et ce ne sont pas tous les profs qui évoquent Cheikh Anta, parce que comme l'a dit Alune, quand on n'est pas passé au département d'histoire, quand on n'a pas choisi l'égyptologie, alors pour être convaincu des idées de Cheikh Anta, on peut l'effleurer, ça peut être difficile. Donc je pense qu'au moment où les États-Unis enseignent Cheikh Anta, au moment où les pays arabes sont venus récupérer les œuvres de Cheikh Anta pour les traduire en arabe, au moment où dans les plus grandes universités occidentales, les œuvres de Cheikh Anta sont enseignées, à plus forte raison en Afrique, particulièrement au Sénégal. En quoi en Afrique, il y a des pays qui depuis longtemps connaissent la valeur de Cheikh Anta et qui ont des modules dans leur programme d'éducation. Et quand l'IGN a sorti un article, moi j'ai fait un article en disant qu'il ne faut pas introduire les œuvres de Cheikh Anta dans les programmes. J'ai dit qu'il faut introduire l'égyptologie dans les programmes. Parce que la personne de Cheikh Anta, en réalité, ne nous préoccupe pas trop, parce que la personne de Cheikh Anta, il est parti. Mais ce qui est important, c'est que les idées que Cheikh Anta défendait, et ces idées-là, il les défendait sur la base de la connaissance de l'Égypte ancienne. Et tant que nous ne connaissons pas cette Égypte ancienne, nous ne pouvons pas nous connaître en tant que produit social, en tant que produit culturel. Alune parlait tantôt des Grecs qui ont parlé d'Égypte. Mais en réalité, il parle de la 18e dynastie. Tous les Grecs qui ont visité l'Égypte, ils disent, oui, nous sommes d'accord qu'à partir de la 18e dynastie, vers le 6e siècle avant J.C., il y avait des Noirs.
Mais Cheikhanta leur dit, je ne parle pas du nouvel empire. Cheikhanta dit que les premiers habitants de l'Égypte qui ont quitté le sud, la Nubie, ce sont les fondateurs de cette civilisation et ils étaient des Noirs. Depuis l'ancien empire jusqu'à l'arrivée des Grecs, des Romains et des Arabes, le peuple dominant en Égypte, c'était des Noirs. Et aujourd'hui, toutes les nouvelles thèses qui sortent le confirment. Les momies égyptiennes le confirment. Donc, la connaissance de l'égyptologie nous permet en tant qu'Africains de nous connaître. Mais pour connaître cette égyptologie, pour connaître nos ancêtres, notre histoire la plus ancienne, il nous faut nécessairement que cette discipline, l'égyptologie, soit introduite dans les programmes. Aujourd'hui, nous, en tant que docteurs en égyptologie, nous avons même des difficultés avec les hiéroglyphes. Et le professeur Lam l'a souligné lors de ma soutenance en disant « Oui, vous n'êtes pas responsable entièrement parce que la connaissance des hiéroglyphes s'enseigne à partir de la maîtrise ou de la licence et 2 heures de temps par semestre. On ne peut pas maîtriser. » Donc, dans mon article, j'avais dit « Les hiéroglyphes doivent être enseignés depuis l'élémentaire. Chaque Africain qui arrive à l'université doit pouvoir lire et déchiffrer les hiéroglyphes. Ça nous permettra de corriger cette falsification parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, il y a beaucoup de textes. Si vous allez dans les autres pays, par exemple Napoléon Bonaparte, il représente quelque chose en France. Son mausolée, c'est plus grand peut-être que la bibliothèque universitaire. C'est nous, en tant que professeurs en 2004, qui ont déclenché la réhabilitation de ce mausolée. Nous, quand on allait au mausolée de Charente, c'était un petit mur de 2 mètres carrés. C'est nous qui avons commencé à réhabiliter le mausolée, à faire le tour des écoles de Djourbel, de demander aux élèves des participations de 10 francs, 25, 50 francs, et on a mis des grilles. Et quand le ministre est venu cette année-là, sous Ouad, il a annoncé, parce qu'on avait laissé une lettre, et le ministre a annoncé qu'il va réhabiliter. Ils ont détruit et ils ont augmenté. Et le président Sall a mis des pavés, des bancs, et ils ont mis beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, pour dire que la valorisation de Cheikhanta est une nécessité étatique, parce que ça permet à l'État de former, de réhabiliter cette conscience historique sans laquelle aucun Africain ne peut penser à l'Afrique d'abord. Nous tous, nous sommes tentés par l'étranger. Tout étudiant que vous interpellez, 4 étudiants sur 5, ils vous disent « je veux partir ». Mais si nous tous, nous partons, alors que de l'autre côté, ils pensent revenir en Afrique parce qu'ils sont en crise économique. Et la solution, comme l'a dit Dr Awa, c'est l'Afrique. Et pour ça, il faut que les Africains soient conscients de leur potentialité et que l'État les accompagne dans cette prise de conscience et dans ce sentiment que sans eux, l'Afrique ne peut pas se développer, mais qu'ils se sentent d'abord africains, qu'ils sentent d'abord leur africanité couler dans leur sang, qu'ils sentent d'abord leur négritude couler dans leur sang et qu'ils assument la responsabilité de préserver ces valeurs culturelles que nous partageons tous, comme Fonko Sakadou, le respect de la parole donnée, ces valeurs comme le djom, comme le ngor de la Djorngone Latir Diop, comme le Foula et le Faïde de Mamba Diakhouba. Toutes ces choses doivent être enseignées dans nos programmes. La guerre froide que nous enseignons et qui nous prend 2 heures de temps doit être boutée dans nos programmes. La Chine que nous enseignons et qui nous prend pratiquement 1 mois doit être... Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Mais tant que nous n'avons pas notre indépendance, excusez-moi, je ne suis pas dans la politique, mais tant que nous n'avons pas notre indépendance de penser et de décider, nous continuerons toujours à enseigner l'Europe plutôt qu'à enseigner l'Afrique. Par rapport à cette question de l'œuvre de Cheikhanta, les idées de Cheikhanta dans les programmes scolaires, je dis souvent que je crois que ceux qui ont lu et compris l'œuvre de Cheikhanta en premier, c'était les Occidentaux et plus particulièrement les Français. Et ils ont su que si ces idées-là arrivaient aux Africains, parce que ce que Cheikhanta a élaboré, c'est un outil de décolonisation mentale. Cheikhanta est revenu au Sénégal à 37 ans. Donc, il était dans la fleur de l'âge. Il était bardé de diplômes.
il était porteur d'un savoir énorme. Cheikh Anta a été exclu du fait qu'il contestait ses professeurs. Oui. Il a été exclu, renvoyé de tous les lycées du Sénégal. Et c'est par des cours du soir auxquels sa mère l'avait inscrite qu'il a fait en une année. À la session de juin, il a passé un bac en mathématiques. Et au mois d'octobre, il a passé un bac en lettres, ce qu'il n'était pas obligé de faire. C'est avec ce coup de génie, Judith, que la mairie de Dakar lui a offert une bourse pour aller en France. N'est-ce pas? Et il est parti donc avec deux bacs. Il a fait deux certificats en chimie, un en chimie générale et un en chimie appliquée. Il a fait un doctorat en lettres qui a été refusé parce qu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas trouver de jury. c'est extraordinaire. Je crois que la première leçon à tirer de Chante, c'est la détermination. Parce que ça, et la persévérance, voilà, l'une des qualités, c'est la détermination. Et il a donc, cette thèse qu'on lui a refusé de soutenir, c'est ça qui l'a transformé en Nation Nègre et Culture. Deux ans après, avec les maisons d'édition d'un autre panafricaniste, Alun Diop, qui a créé Présence Africaine à Paris. Donc la bataille était là, elle était rude avec les Amadou Mortambo et tout ça, n'est-ce pas? Donc, ce monsieur-là arrive avec un doctorat. Il est à l'IFAN, il est recruté par Mono à l'IFAN. Et c'était une obligation pour tout chercheur à l'IFAN de donner des cours à l'université. N'est-ce pas? Alors, on le sollicite, il donne son programme et tout ça. Et c'est lui qui me raconte. Un jour, il quitte chez lui, il doit aller au laboratoire 94. Il dit, bon, je vais m'arrêter, voir où en est le programme. Et il arrive dans le bureau du recteur qui lui dit, je vous jure, professeur, c'est pas de moi. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, j'ai reçu des instructions d'en haut. On m'a dit qu'il ne faudrait pas que vous mettiez les pieds dans l'université à enseigner. Et c'est là, Judith, que je dis que les Blancs avaient compris. Parce qu'en ce moment, l'université, ce n'était pas l'université de Dakar. C'était l'université de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique tout court. Parce que le Bénin, le Togo, tous les États africains n'avaient pas d'université, ils venaient au Sénégal. Même les Africains du Nord, les gens du Maroc, de la Tunisie, etc., venaient étudier ici. Alors, cette présence de la jeunesse africaine, auquel Cheikh Anta allait enseigner qui ils sont, au lendemain des indépendances, ça allait créer une révolution. Et si c'était fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et les Français continuent d'avoir leurs genoux sur le cou de nos dirigeants. C'est pourquoi jusqu'à présent, même si Macky Sall s'est engagé, ça reste lettre morte. Mais il faut faire comme Cheikh Anta Diop. Restez persévérants. C'est vous, les étudiants, c'est vous, la jeunesse africaine, la jeunesse sénégalaise, qui devait lutter par des pétitions, par des marches et tout ça pour exiger que l'enseignement de l'égyptologie soit enseigné. Et ça peut être enseigné depuis la maternelle. L'Antiquité par l'image, et là on peut l'enseigner aux enfants de 3 ans, 5 ans, n'est-ce pas? Et continuer. Voilà, donc l'enseignement de Cheikh Anta lors de son centenaire, la veille du cinquantenaire du colloque du Caire, où Cheikh Anta, assisté uniquement de Théophile Obenga, a battu ce que José do Nascimento, un autre Cheikh Antaïste qui a écrit la pensée politique de Cheikh Anta. Donc Cheikh Anta a battu la fine fleur de l'égyptologie qui s'est préparée pendant 2 ans. Et comme disait Dr Sen, le rapport a montré que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont pris le dessus. Ça fait 50 ans, il est temps qu'on passe à autre chose, que l'Afrique passe à sa libération. Mentale d'abord. Merci. Pour comprendre Cheikh Anta, l'égyptologie,
il faut replacer le tout dans son contexte. C'est une question d'enjeu du pouvoir. C'est des questions éminemment politiques. Quand Cheikh est venu, son contemporain, c'était Léopold Sédar Senghor. Et c'est normal. C'est des enjeux politiques. Cheikh a créé son parti politique. Il n'était pas avec Senghor, mais c'était de bonne guerre pour que Senghor le confine au rang de chercheur au niveau de l'IFAN. On lui refusait l'enseignement. Mais après la disparition de Senghor, en fait, pas sa disparition, le départ de Senghor en 80, Diouf est venu et Diouf l'a réhabilité. Cheikh a commencé à prendre ses enseignements au niveau du département d'histoire. Mais quelques temps après, c'est sa disparition. Malheureusement, 2 ans, 3 ans seulement. 3 ans seulement. Mais Cheikh s'est engagé en politique. Et moi, je me suis engagé en politique parce que je suis influencé par Cheikh. Ce qu'il disait, c'est très clair. Il faut aller étudier. Mais il dit, Cheikh, après vos études, il faut le prolongement de vos idées. Et pour lui, le prolongement de nos idées passe par l'engagement politique. C'est pourquoi moi, je me suis engagé en politique. Mais quand on est en politique, mais véritablement, il y a des enjeux. Il a créé le RND, qui s'opposait farouchement au Parti Socialiste, même quand Diouf l'a réhabilité timidement, il n'était pas avec Diouf. Il avait ses convictions. Alors, après le départ de Cheikh, on a connu les Majors, qui sont les héritiers de Cheikh. Il y a d'autres qui étaient... Il y a toute une constellation d'intellectuels qui étaient autour de Cheikh, mais c'est la personne de Cheikh qui les intéressait. Après le départ de Cheikh, les autres sont partis, dans d'autres partis. Moi, je les connais, je peux les citer. Mais par contre, les Diallo Diop sont restés. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, celui qui gère l'héritage de Cheikh, c'est Bouna Albouri Ndiaye, un jeune panafricaniste qui est historien. Mais le parti de Cheikh n'a pas une représentation dans le gouvernement. Le parti de Cheikh n'a pas une représentation à l'Assemblée. Même si les gens se sont abreuvés aux sources de Cheikh, même Wade, quand il est venu, il avait compris que Cheikh était un panafricaniste. Mais ce qui s'est passé réellement avec Macky Sall, il y a eu des déclarations d'intention. Il n'y a pas une volonté politique affirmée. Macky a dit, il a consulté les gens, que nous allons intégrer l'égyptologie dans les curricula. Et là, je suis bien placé pour en parler. Je suis inspecteur de l'éducation. Il y a une première rencontre, mais ça s'est limité à ce niveau-là. Et aujourd'hui, nos curricula sont dépassés. Là, c'est l'inspecteur qui parle, c'est le spécialiste de l'éducation qui parle. Je dis en éducation, l'école est par toujours et par essence un lieu de non-satisfaction. On ne peut pas s'appuyer sur les programmes classiques. Et la preuve, les élèves étaient sortis. Est-ce qu'ils étaient manipulés pour parler, pour dénoncer la lourdeur de nos programmes? Nos programmes sont caducs. Il nous faut ces réformes curriculaires et il nous faut cette volonté manifeste pour intégrer l'égyptologie dans nos curricula depuis le préscolaire. Parce que la question, elle est encore là, très actuelle. C'est vrai que le professeur l'a dit, ce n'est pas la personne de Cheikh qui nous intéresse. Et peut-être Cheikh comme politique, peut-être, ça ne nous intéresse pas. Mais l'idéologie, l'égyptologie, c'est aujourd'hui une réalité. Et les gens en parlent. Moi, j'ai été invité dans des clubs, comment ils appellent ça encore, dans des roomings, avec toutes les nationalités, des Américains, des Européens, des Africains, où on parle, on aborde ces questions qui sont véritablement actuelles. En tout cas, il faut comprendre, Cheikh, l'homme politique et les enjeux politiques. Senghor ne pouvait pas laisser Cheikh développer ses thèses. Diouf a essayé avec Cheikh. Wade connaît véritablement le mérite de Cheikh par rapport à l'idéologie panafricaniste. Alors, Macky Sall, il a fait une déclaration
mais jusqu'à présent, il n'y a absolument rien dans nos curricula. L'héritage de Cheikh, le parti de Cheikh n'est même plus connu. Ils ne sont pas majoritaires, ils sont dans des coalitions, ils ne peuvent pas s'affirmer, et tant qu'ils n'accèdent pas aux sphères de décision, on ne peut pas donner à Cheikh véritablement sa véritable dimension internationale au Sénégal. Parce que c'est des enjeux politiques et nul n'est prophète chez soi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est né à la Mecque, mais on l'a enterré à Médine. Ce sont ses propres parents qui l'ont combattu. Mais je m'arrête là, Judith. D'abord, je me présente, je me nomme Abdou Sall, je suis docteur au département de linguistique. Je dirais que nous sommes satisfaits de cette tribune parce que hier on était là et on parlait d'Amilcar Cabral. Donc, quand ces genres de manifestations sont organisées à l'université Cheikh Anta Diop pour parler soit des éminents hommes africains, que ce soit Cheikh Anta, Amilcar Cabral ou autres, nous autres jeunes, je pense que nous devons s'organiser et venir assister dans ces manifestations pour vulgariser les œuvres de ces éminents hommes africains. Et que ce soit Cheikh ou Amilcar Cabral ou les autres, je pense qu'au-delà de l'émancipation africaine, ce qui les intéressait, c'est la souveraineté. Que ce soit la souveraineté politique, culturelle, économique ou alimentaire. Donc, quand on a ces hommes, je pense qu'on doit non seulement revisiter leurs œuvres, mais essayer de les vulgariser. Et je pense que c'est en vulgarisant ces œuvres que nous autres jeunes Africains, nous allons arriver à nous libérer du joug du colonialisme. Et j'ai une question, c'est-à-dire, en fait, je voudrais savoir, au-delà de l'œuvre de Cheikh Anta, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'influence de l'héritage de Cheikh Anta dans la société sénégalaise de manière générale? Merci. Tout cela, mais ça nous permet un peu de revenir et d'insister là-dessus. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir un peu conclure au fur et à mesure. Merci. Merci Judith, merci à notre cher docteur en linguistique. Je pense que vous avez de la matière à partir de Cheikh Anta. À partir de la linguistique, vous pouvez apporter du nouveau par rapport aux travaux de Cheikh Anta. La différence entre Cheikh Anta et nous, c'est que lui, c'était un génie, comme le docteur l'a dit tout de suite. Donc, il était pluridisciplinaire, un génie. Et nous, quand on rénovait le mausolée, on nous a demandé d'aller voir le calife de Darussalam à l'époque. C'était le père de Seigne As Tchaitou. Seigne As, il est décédé récemment. Il s'appelle Seigne Moustapha Tchaitou. Et Seigne Moustapha nous a raconté, et c'est devenu maintenant célèbre cette anecdote, que quand Cheikh Anta est allé à Djourbel, parce que sa mère, son nom, Guette Diop, a rejoint Cheikh Ibre Fall, quand le père de Cheikh Anta, Massambou Diop, est décédé, on l'a donné à Cheikh Ibre. Et entre Keur Goumak et Keur Cheikh, c'est peut-être 1 kilomètre ou 2. Cheikh Anta fréquentait Keur Goumak, le domicile du grand Cheikh Ahmed Bamba, qu'on appelle Keur Goumak. Et en Égypte ancienne, Père A, c'est la grande maison, et c'est Père A qui a donné Pharaon. Moi, je compte faire un article sur ça, l'égyptologie et le mouridisme, en espérant de ne pas recevoir les foudres du mouridisme, parce qu'il y a beaucoup de convergences, la grande maison. Un jour, il nous a dit que Cheikh Ahmed Bamba a demandé aux enfants d'aller lui apporter du sable. Alors, les jeunes sont sortis, chacun a amené, ils ont mis dans leur boubou, d'autres ils ont pris de petits récipients. Cheikh Anta a pris une grande vase. Il a mis énormément de sable et il ne pouvait pas le déplacer par lui-même. On a dit que quand les petits sont venus, le Cheikh leur a dit, mais où est Cheikh Anta? Alors, ils ont dit que Cheikh Anta ne peut pas déplacer par lui-même. On a raconté que le Cheikh Bamba qui est allé dire à Cheikh Anta, Cheikh Diapal Mayen la. Et on a dit que bimnan ko Cheikh Diapal Mayen le souci, il a ko yanale xam xam bi. Parce que ce que Cheikh disait et ce qu'il écrivait et ce qu'il faisait pour un être ordinaire, ça pose problème. Deuxièmement aussi, Cheikh Anta, quand il est né, c'est Cheikh Mam Cheikh Anta Gawan qui lui a donné son propre nom. Mam Cheikh Anta Gawan moko tuddé ko bopam. Parce que entre Gawan et Tchaitou, c'est 7 km. Donc tout ça justifie que nous ne sommes même pas dignes d'être des disciples de Cheikh Anta, tellement il était préparé pour venir délivrer tout un peuple.
Maintenant, est-ce qu'il a réussi ou pas? Quel est l'impact des travaux de Cheikh Anta sur la mentalité africaine? Est-ce que Cheikh Anta a réussi à conscientiser les Africains pour les amener à une émergence, à rompre les chaînes de l'esclavage et de la colonisation, à penser pour eux-mêmes et à tracer leur propre voie de développement? Je pense qu'au sommet, on ne peut pas les récupérer. Parce que vous voyez des chefs d'État, des ministres, des députés, des intellectuels de haut niveau, ils font des discours, ils font des discours sur la renaissance africaine, ils ne citent même pas Cheikh Anta. Tantôt, Alun Diaye a parlé de Met Wad. Oui, il a compris Cheikh Anta, mais il ne l'a pas cité. Quand il faisait son monument de la renaissance, mais la renaissance africaine est une idée de Cheikh Anta. Et si c'était Cheikh Anta, ce monument de la renaissance ne serait pas comme tel. Parce que c'est en contradiction avec les valeurs africaines. Et j'avais fait un article à l'époque pour dire que ce monument-là est loin d'être un monument qui honore la race noire. Parce que l'art est le symbole et l'expression des valeurs culturelles. Et ce monument-là n'exprime pas les valeurs africaines qui reposent sur la pudeur, qui reposent sur l'élégance. On aurait dû habiller de manière élégante, parce que c'est ça que nous connaissons. Donc, pour moi, les intellectuels sont... la hauteur, c'est fini. On ne peut pas les récupérer. Parce qu'il a parlé du président Macky Sall. Quand vous voyez le président Macky avec ses politiques, vous comprendrez qu'il ne comprend pas Cheikh Anta. Est-ce qu'il l'a lu? Donc ces intellectuels-là, on ne peut pas les récupérer. Ils ont connu ce que Cheikh Anta appelle l'aliénation culturelle. Cheikh dit l'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre âme et de notre substance. Il dit quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas complètement fait. Il dit que l'ex-colonisé ressemble à cet esclave qui va jusqu'au pas de la porte de son maître, puis revient puisqu'il ne sait plus où aller. Depuis que nous avons développé des sentiments de subordination, depuis que nous pensons comme notre maître, depuis que nous pensons que nous ne pouvons pas aller par nous-mêmes sans l'aide et l'accompagnement des puissances occidentales, c'est depuis ce temps-là que nous avons perdu la liberté. Et aujourd'hui, quand on vous parle du plan Sénégal émergent, quand on vous dit que ce sont des milliards qui ont été investis pour ce plan et que ce plan a été écrit par des Occidentaux, vous comprenez que nos présidents n'ont pas encore compris Cheikh Anta. Aujourd'hui, pour valider ou invalider un troisième mandat, on fait recours à un juriste français, c'est parce que nous n'avons pas encore compris Cheikh Anta. C'est dire que tous les juristes africains, je ne dis pas sénégalais, tous les juristes africains ne savent rien, que nos universités doivent être fermées, que tout ce qu'on a enseigné ne sert à rien, parce que quand on a besoin d'expertise, nous allons traverser l'Atlantique pour aller chercher une expertise occidentale. Si aujourd'hui, pour travailler sur des logiciels, par exemple le logiciel qui gère les délibérations du bac, pour des logiciels utilisés partout au Sénégal pour la délibération du bac, on fait appel à des expertises nationales. Mais c'est dire que notre enseignement est caduque. Quand on a besoin du bien, il faut qu'on aille voir le blanc. Et je dis souvent à mes élèves, un président de la République de l'Afrique, un Africain qui va en France, mais Macron le reçoit devant les escaliers des Champs-Élysées. Il ne va même pas le prendre devant la voiture, il l'attend. Il vient, il lui serre la main et il entre. Mais si Macron vient au Sénégal, on ferme les écoles, on fait des affiches, on dépense de l'argent, tous les élèves, les étudiants sont mobilisés pour l'accueillir. Le gouvernement, dans son entièreté, les ministres, les députés, le Conseil économique, social, environnemental, toutes les structures sont mobilisées pour aller à l'aéroport. Je suis vraiment comblé, Judith. Tu as fait les deux éditions, mais j'avoue que cette troisième édition quand même. Il y a énormément de choses à dire. Ah, il y a des choses qui sont ressorties, surtout venant de Faye et de Dr Awa. Franchement, moi, je suis comblé. Et mon cher linguiste, je vous donne ce livre de Jacques Abipsi, L'Afrique, berceau de l'écriture et des manuscrits en péril. Venez prendre ce livre, c'est pour vous, je vous le donne gratuitement,
Ah oui. C'est pour vous dire que ces questions sont actuelles. Et à travers l'égyptologie, moi, ce que je retiens dans un premier temps, c'est que cette réconciliation que nous devons avoir avec notre génie propre, franchement. Et maintenant, toutes les questions développées par Cheikh, en comparaison avec notre société, le professeur l'a dit tout de suite, si on est spécialiste du Kayor ou du Djolof, on va voir toutes les similitudes, bien sûr, si nous comprenons ce qui se faisait au niveau de l'égyptologie, en Égypte. La conception, l'idéologie qu'on a du pouvoir, je l'ai écrit ici dans mon livre, comment devait être notre roi, et aussi comment il percevait Pharaon. Il devait être fort avec cette fête du fête 7. Et nous, au niveau du Djolof, dans l'idéologie du pouvoir, qui devait être Bourba, il devait avoir la baraka, il devait être fort, et il devait prendre ce bain rituel de Ndiassew. Vous voyez, il nous faut creuser véritablement. En tout cas, moi, je vais conclure. Hein, et je vous dis que Judith, certainement, vous allez mener encore d'autres éditions, mais ce que vous avez cet après-midi, véritablement, je ne sais pas comment vous allez faire pour dénicher ces spécialistes, ces grands messieurs et ces grandes dames qui connaissent véritablement ces questions d'égyptologie et qui vivent ces questions d'égyptologie. Franchement, je vous dis bravo. Heureusement que tout sera filmé et avec la magie du numérique, on aura des vidéos véritablement virales. Merci beaucoup, madame. Oui, le linguiste demandait à propos des langues, à propos de l'influence de Cheikhanta. Et il y a les langues nationales, comme disait l'inspecteur, qui est d'une brûlante actualité. Et Cheikhanta s'est battu pour l'instauration de ces langues nationales-là dans nos études et dans notre formation. Et il disait que les députés ne devaient pas être des gens qui viennent de par-ci et de par-là, mais qui devaient être... Le député devait être un peul du Djolof, qui connaît les réalités. Hein? Devait être un pêcheur dans le Joal et tout ça. Parce qu'un député, c'est celui qui vient défendre les intérêts d'une communauté, d'une catégorie socio-professionnelle. Mais si c'est le français qui est parlé, comment veux-tu que mon parent Paul ou mon cousin Serer ou Diola viennent à l'Assemblée? On s'est battu pour cela. Et aujourd'hui, on parle les langues nationales un peu, c'est permis. Vous vous rappelez peut-être de cette bataille entre Mbaïnian qui avait parlé pour la première fois le Wolof, et l'autre lui a répondu en serré, et c'était la cacophonie. Mais on peut dire aujourd'hui, quand on écoute les radios, quand on écoute les télévisions, quand on écoute les rappeurs, comment ils parlent dans les langues nationales, que ce soit en Wolof, que ce soit en Poulard, que ce soit certainement en Serré, etc., etc. N'est-ce pas? Donc l'influence est là. Et comme a dit Dr Sey, cette marche de la jeunesse, ces marches qu'on a, nous les avons croisées cette année, j'étais justement avec Bouna Albourindiaï, avec la délégation du RND, et on a rencontré les jeunes marcheurs qui marchaient de l'université de Dakar à Tietou. Et il y a eu une plus longue marche encore de Dakar jusqu'au Burkina Faso pour l'unité africaine, en passant par le Mali, et où les jeunes ont été reçus par le président Goïta, mais aussi par des anciens du RDA, qui a été le premier parti à revendiquer les indépendances africaines. Et si vous allez, par exemple, moi je suis allée du Canada, j'ai été invitée aux États-Unis par un cheikh athéiste, Molefi Assente, de Temple University. Et
parce qu'il organise chaque année une conférence. Il appelle d'ailleurs la conférence Cheikh Anta Diop. Et moi, j'étais l'invité cette année-là pour parler le genre dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop. N'est-ce pas? Et j'ai trouvé des jeunes qui, s'ils étaient nés avant le décès de Cheikh, ils devaient être très jeunes. Mais c'est des jeunes qui sont en anthropologie, en égyptologie, en mathématiques, mais chacun part de l'œuvre de Cheikh Anta Diop pour développer sa discipline. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, toute université américaine qui se respecte a un département d'études africaines. J'ai été à Philadelphie, j'ai été à Atlanta, où là, c'était la première demande, comme dit, Awa, parle-nous de l'humain, Cheikh Anta Diop. N'est-ce pas? Toute université américaine qui se respecte a un département d'études africaines, et dans ce département, c'est essentiellement les idées de Cheikh Anta Diop qui sont enseignées. Quand tu rencontres un Américain, il te dit, where you come from? I come from Sénégal. You know Diop? Tous les Américains connaissent Diop. N'est-ce pas? Donc, comme disait, je sais pas si c'est à l'une ou au docteur Seng, on n'est jamais prophète chez soi. Avant-hier, il y a le professeur Bouba Diop qui m'a envoyé, je vais demander si je peux le partager aussi, Judith, comme ça tu le partageras, une conférence qui va se faire en Afrique du Sud par le muséum sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Donc, un peu partout, au Cameroun, vous parlez de Cheikh Anta Diop, il y a quelqu'un qu'on me raconte, un Sénégalais qui va en Guyane, je crois, et puis on lui dit, on a un groupe Cheikh Anta Diop, viens. Il arrive, il dit, oui, mais moi, je n'ai jamais lu Cheikh Anta Diop. Il dit, les gens l'ont rejeté. Il a eu la honte. Parce que ces gens-là, des Guyanais, étaient des charentaïstes jusqu'au bout des doigts. Et lui qui vient du Sénégal, de Charente, il ne connaît pas ça. Il a lu. Alors il a appelé un de ses amis en lui disant, j'ai eu la honte de ma vie aujourd'hui. Cherche-moi les livres de Charente et envoie-les-moi. Donc c'est pour vous répondre que l'œuvre de Cheikh Anta Diop se répand comme une poignée de poudre à travers le monde. Et la seule chose, la seule phrase que Cheikh m'avait dite et dont j'avais douté, il me dit, le salut nous viendra des Noirs américains. J'ai dit, mais comment ça, le salut nous viendra? C'est de nous que viendront le salut des Noirs américains, vont venir de nous. Et effectivement, il avait raison. Quand j'ai visité l'Amérique, quand j'ai vu le piédestal sur lequel ils mettent Cheikh Anta Diop jusqu'à l'appeler le rédempteur, j'ai compris que c'est d'eux qu'on viendra apprendre qui est Cheikh Anta Diop. Il y a des Américains qui quittent l'Amérique, qui vont directement à Tietou. Et c'était une honte qu'on trouve Cheikh Anta, le mausolée de Cheikh Anta dans cet état-là. N'est-ce pas? Alors, les idées de Cheikh Anta, c'est l'avenir. C'est un passage obligé. Pour la construction de l'Afrique, c'est un passage obligé. On ne peut pas. Et, par exemple, pour les langues nationales, Cheikh Anta a fait ses travaux en Wolof. Parce que, comme tu as dit, c'était ton baol, etc. Mais Cheikh Anta m'a dit, on a fait un vol de Paris à Dakar. Il me dit, cherche quelqu'un qui fera les mêmes travaux que moi en polar. Je lui dis, le mieux indiqué, c'est Mourtoude Diop. Il dit, parce que l'extension du polar est beaucoup plus, le polar est beaucoup plus étendu que le Wolof. Et il disait même que si on devait prendre dans cet Ouest africain une langue nationale, une langue sous-régionale, ça devait être le peul. Pour vous dire l'honnêteté de Cheikh Anta, il aurait pu tirer le Wolof, qui est son travail et tout ça, mais il avait demandé à Mourtoude de venir, il va lui donner, il dit, j'ai fait de nouvelles découvertes, je vais les donner à Mourtoude et il va faire le même travail que j'ai fait en Wolof. Et quelqu'un, il y a cette TV qui m'avait demandé, qui voulait m'interviewer sur les bracelets aux pieds. Et je fais des recherches.
Et qu'est-ce que je trouve? Le mot par lequel les peuples nomment ce bracelet là, Kalkal, c'était le même mot en Égypte. Le même mot, Kalkal, je n'en revenais pas. Je dis, mais les découvertes font de plus en plus confirmer les thèses de Cheikh Anta Diop. C'est un passage, et même aujourd'hui, c'est des blancs. Je ne sais pas si vous avez vu ce monsieur qui défend les thèses de Cheikh Anta, etc. Je crois que tu les as vus à travers le truc. Et donc, la seule voie de salut, Cheikh Anta vous a dit, armez-vous de la science jusqu'à dedans. Et Cheikh Anta vous dit, je vais conclure avec sa phrase, l'Africain qui nous aura compris est celui-là qui, après la lecture de mes ouvrages, aura senti, M. Sey le dit, il le connaît par cœur, et je suis sûre que M. Ndiaye aussi, donc après la lecture de nos ouvrages, aura senti naître en lui un autre homme, et, ou une autre femme, dirais-je, animée d'une conscience historique, parce que c'est la conscience historique que les esclavagistes nous ont arrachée. Et c'est cette restauration de la conscience historique qu'a procédé Cheikh Anta Diop. Il dit donc animé d'une conscience historique, un vrai créateur, un prométhée, porteur d'une nouvelle civilisation, est parfaitement conscient ce que la terre entière doit à son génie ancestral dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. Fin de citation. Merci énormément. Merci pour ces extraits. Merci pour ce moment extraordinaire que nous venons de passer. Donc, on le refera certainement. Donc, je profite l'occasion pour remercier encore la bibliothèque universitaire de l'UQAD de nous avoir accueillis en ce lieu. Merci énormément. Et donc, je remercie M. Pape Farisseye, qui est historien, enseignant, auteur également, malheureusement. Docteur Awa Bokarli, inspecteur, je vais mettre le titre, inspecteur Aliou Ndiaye, historien, auteur également. Merci à vous d'avoir vraiment accepté cette invitation. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à la Casamançaise qui nous accompagne. Merci énormément encore à la bibliothèque universitaire. Merci à vous et à très bientôt ici à l'UQAD. Merci à vous. Thank you.